Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Chez vous Sport. Vous le savez, toute cette semaine, nous sommes à l'ABCN, Atlantique Basket Club Nazairien. Et avec nous aujourd'hui, l'entraîneur de l'équipe première, Christophe Allardy. Bonjour. Bonjour. Depuis deux ans au club, pourquoi avoir choisi et pourquoi être arrivé et comment êtes-vous arrivé dans ce projet de l'ABCN? J'avais terminé une expérience avec un club voisin et puis je trouvais le projet intéressant parce que je pense que Saint-Nazaire a le potentiel pour faire du basket à un bon niveau, voilà. Le club redescendant, j'ai dit, ça peut être un projet intéressant d'essayer de reconstruire sportivement et tout autour sur Saint-Nazaire. Et donc l'équipe est en pré-national, oui. C'est le dernier niveau avant la National 3, c'est bien ça? Voilà. Parallèlement, vous travaillez aussi pour la fédération. Oui. C'est pas trop difficile de passer avec les jeunes futurs professionnels, c'est bien ça. C'est pas trop difficile de passer d'un niveau à l'autre. Comment vous gérez ça? De temps en temps, il y a un choc des cultures. Quand je reviens de stage et que je suis ici à l'entraînement, effectivement, quelquefois, je me dis ouf, là, il faut vraiment qu'on adapte le niveau d'exigence. Mais à part ça, c'est tout, quoi. Voilà. Les objectifs que vous fixez, justement, l'année dernière, vous vous êtes maintenu en pré-national. Cette année, c'est visé un peu plus haut ou c'est se stabiliser, justement, dans la division? On s'est maintenu difficilement. Ouais. Donc, on va essayer déjà, un premier objectif, c'est de se maintenir tranquillement, ce qui n'est pas évident parce qu'il risque d'y avoir beaucoup, beaucoup de descentes cette année. Si on peut accrocher plus, on prendra. Mais c'est d'abord essayer d'être un peu plus serein que ce qui s'est passé l'an dernier où, jusqu'à quasiment l'avant-dernière journée, on ne savait pas ce qui allait se passer. Voilà. C'est difficile, quand on est coach, de vivre comme ça avec l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Habitué? Je sais pas si c'est habitué, mais je pense que c'est plutôt les conditions de travail que les dirigeants et les gens mettent autour qui font que si on vous explique qu'il faut absolument pas descendre ou il faut absolument monter, on a la pression. L'objectif ici, c'est de réorganiser les choses correctement avec des valeurs. Donc c'est moins compliqué. Et après, sportivement, on verra. Eh ben merci beaucoup, Christophe. Vous le voyez, l'ABCN en reconstruction, comme ça qu'on peut dire. Eh ben, on va continuer à découvrir ce club tout au long de la semaine dans Chez vous Sport. Salut. Merci, au revoir.